Bonjour à tous et à toutes, c'est Dalphi, David Alpha 69. On va faire David pour que ce soit plus court parce que. Ou David du. David 69, voilà. C'est un petit peu. Ou c'est fort, ou c'est fort. Aïe aïe aïe, mes oreilles. J'utilise un micro donc. Voilà. Ça devrait mieux aller. Ouh, tension. Bon, alors, on est sur Battlefield Bad Company 2. Je crois que vous l'avez peut-être remarqué pour les fans. On est sur la baie de Nelson, je crois bien. Premier kill, parfait. En plus, un headshot dans les fesses. Non. Donc, c'est édité par... Electronic Arts est développé par DICE, mais ça on s'en fiche un peu. Nous sommes sur un serveur que j'adore particulièrement. Je viens juste de donner l'ordre d'attaquer cette position à mon escouade. Là on est des Russes en attaquant. On a voilà. Alors nous sommes en mode ruée, comme son nom l'indique, on doit se ruer sur cet objectif. Et bien sûr, c'est dur parce qu'il y a les défenseurs. Bah oui, s'il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Et s'il y a des défenseurs, il y a des attaquants. C'est un petit peu logique. Mais bon, on sait jamais. J'utilise STG 77 qui est une arme incroyable. Oula, attention. Donc comme vous voyez, vu que c'est édité par DICE, il y a le moteur Frostbite qui nous permet de détruire les comment dire l'environnement à 90%. Mais Battlefield 3 qui va sûrement, vous devez sûrement en entendre parler, va pouvoir à peu près 100% de l'environnement pourra être destructible. Ceci qui est très très qui donne un gros plus, mais Call of Duty Modern Warfare 3 va essayer de surpasser l'équipe DICE, donc Activision. Avant c'était pas Activision qui a fait Call of Duty Black Ops. On va mettre code 6 7, c'est Treyarch qui a fait aussi code 5, qui sont Treyarch qui sont on va dire qu'ils sont pas beaucoup emmerdés. Ils ont fait ils sont fait que là vers les secondes guerres mondiales, tout ça par là. Excusez-moi, je suis complètement fatigué, hein. Cool, aïe. Oui, je suis complètement fatigué. Un peu plus, c'est le troisième essai ou quatrième essai. J'essaye de faire cette vidéo. J'espère que cette fois, ce sera le bon. Et si je l'ai mise, ça doit sûrement être le bon. Autrement, ça doit être une vidéo délire. Mais là, c'est plutôt une vidéo test, vu que c'est la première fois que. Enfin, c'est pas la première fois que je joue, mais première fois que je fais une vidéo là-dessus et je voudrais découvrir avec vous ce magnifique jeu et la baie de Nelson, que ça me dit rien du tout, mais je elle me dit rien. Je crois que j'ai déjà dû y aller, mais on sait jamais. Il y en a qui disent que la baie de Nelson est praticable en conquête et pas avant, et cette fois-ci mais elle est en jour, je sais pas, je sais rien. Ça me dit quelque chose, mais vu que là on est en nuit, ça le fait pas vraiment la nuit, mais bon, c'est beau quand même, c'est beau. Je préfère Battlefield que Call of Duty, parce que Battlefield c'est grand, immense, il y a plein de manières d'attaquer. C'est très... c'est très pratique.
Mais bon, je suis dans une bonne team, là ils attaquent bien. La team en face a pas vraiment de chance de se retrouver contre nous, les PGM. Petite porte. Ah, attendez, ça. Ouais. Ça a dû faire la porte. Hop là! Comme vous voyez, là c'est bien pratique parce que on peut voir les gros dés. Ce qu'on fait, les gros PGM, tout ça. Oh my god, si je survis, bah non, je survis pas. Donc, que dire sur ce jeu qui est. Alors, la campagne, vous avez sûrement dû tous voir, mais je vais vous répéter. La campagne, en fait, vous êtes la Bad Company qui est. Compagnie de comment dire de recalé on va dire qui a fait qui a été remis en service dans le 1 et que maintenant bah là leur mission là c'est moins un peu on va dire farfelu parce que dans le 1 c'était complètement que de l'humour, la guerre, que dalle. Voilà, la guerre. Je dis la guerre, mais vous m'avez compris. Ah my god, j'ai mal visé. Et donc, ce qui se passe là, c'est un. Les Russes, bien sûr, les gros Russes qui sont les gros méchants. Et nous, les Américains, les gentils qui venons sauver le monde. D'une invasion russe. Et cette invasion russe, bah en fait, la fin de l'épisode, nous détruisons une arme qui. Comment dire. Une. Je sais pas. Une IEM. Voilà, une IEM, on va dire. Je sais pas si, en fait, une IEM, c'est une explosion électrique tellement puissante qui bousille. Tous les bousilles, c'est un peu familier, mais qui détruit tous les systèmes électroniques, tout ça, je crois que c'est ça, et qui peut risquer la perte des États-Unis. Après, il y a toute une histoire, je vais pas vous la raconter. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc, vous allez sauver le monde. Ben, dans tous les FPS, on sauve le monde. Tous les jours, on doit sauver le monde. Par les jeux de stratégie, ça dépend. On est les méchants. Hein, les méchants. Hein, les méchants. Méchants, méchants. Méchants. On va aller sur A. Ça qui fonctionne. Aller sur A. Ah, ça a l'air plus calme. Plus calme, sécurisé, non même pas sécurisé, mais bon ils font qu'utiliser les. Alors précision, je suis au niveau 26, j'ai débloqué tous les trucs, tout. J'ai voulu, ça m'a bien, je me suis bien. Je savais pas où aller. Je vous confirme, je ne savais pas où aller. Je crois que j'ai tué 7 ennemis au fusil d'assaut. J'ai eu une petite médaille. Je vous ai pas montré les médailles, tout ça, les armes, parce que. On pouvait y passer quand même un bon bout de temps. Donc, toujours les cris, tout ça. Bon, quand on est en russe, on n'y comprend rien, bien sûr, mais bon. Je vais pas me plaindre, ce jeu est magnifique. Je suis dans une bonne team, c'est pas tout le temps qu'on peut trouver ça. Réanime quand il y a des ennemis, c'est parfait ça. C'est beau, c'est magnifique. Il y en a encore un. Je vais me faire buter. Et puis voilà. Buter, c'est pas le terme, mais bon. Je comprends rien. Oula, c'est qui mouline un peu. Je suis à 40 FPS, mais j'utilise trois logiciels. Le jeu, Fraps et Audacity. Oui, je sais.
Alors, petite précision, les fusils d'assaut sont beaucoup plus précis quand on fait des petites rafales. Je vais essayer de vous le montrer s'il n'y a pas. Voilà. Comme celle-là. Mais bon, il s'est caché. Il a eu peur de moi. Il a peur de moi. La 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 la. La la. Non, je vais pas faire l'opéra, ça va être moche. Je vais faire la blague du jour. Attendez, 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 attendez. Oui, attendez. Alors, la blague du jour. Alors, la petite blague du jour. Quel est le sport le plus fruité? Attention les yeux. La boxe, bien sûr, car si tu te prends une pêche dans la poire, tu tombes dans les pommes et tu ne peux plus ramener ta fraise. Et puis voilà. Ça fait marrer mes parents, donc peut-être vous, ça va faire. Hein. Vous, chers téléspectateurs, derrière vos petits écrans. J'espère que ça vous a bien fait marrer. Et oui, la blague du jour était là. Chaque jour, une petite blague sera publiée. Allez, en avant les cocos. J'aime faire ça. Le tueur des vitres, le couteau maléfique. Ah bah ça marche pas là-dessus. C'est pitoyable. Là, il utilise la technique de quelqu'un. En fait, c'est un mec que je connais. Je regarde ses vidéos. Utilise le. Le. Comment dire hein, c'est quoi déjà? Le fumigène. Pour se cacher. Oui, c'est que c'est tout un technique. C'est tout un art de jouer à Battlefield. Passer par la vitre. Non, je peux pas. On va faire une porte. Hein. Ah ben, quelqu'un a été bien gentil, m'a fait une porte. Oula, ça mouline. Là, je suis à 30. Des fourbes, des chaises, c'est des fourbes. Je comprends rien. Ah ah. Les petits noobs. Venez à moi, bande de noobs. Peut-être à la fin, je vous montrerai quelques armes, tout ça. Nouvelles armes, là pour l'instant, je joue en assaut, c'est vrai que c'est pas. Ça vous montre pas beaucoup de. Ce que c'était. Peut-être dans vos commentaires vous saurez. Ça, je sais ce que c'est. il me donne envie de jouer ingénieur. Ah, c'est plutôt bien. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Ah bah non, j'aurais pas l'occasion de jouer ingénieur. C'est bien gentil de sa part. Ah, ah bah si. Ouh, l'UMPS, ça, j'ai jamais. Bah, j'aurais jamais l'occasion de tirer avec. Ben, j'irai avec, mais pas tuer quelqu'un. Peut-être qu'il va encore me réanimer, le mec. Ça lui a fait un paquet de points. Je vais peut-être où. Oh, un papillon. Non, pas dans le jeu. Il était dans ma chambre. Ça sera un petit peu bête dans le jeu, là. Peace and love. Je vais aller les cueillir. Hey, tout ce que je lui ai mis, il meurt pas le mec. Ah si, il meurt. Eh oui. Eh oui, il me doit mourir. La guerre, c'est ça. Oh. J'aime pas bien cette map en défenseur. En attaque aussi. Mais bon. Vous voyez, j'utilise ça.